médiévale du XIe siècle. Situé sur le flanc sud du piton rocheux qui le domine, ce village comprenait un château fort du XIVe siècle dont on voit encore un pan de mur et une entrée de l'enceinte cadastrale, et la première église du lieu abandonnée et ruinée en 1591 lors des guerres de religion. Il a abrité une vingtaine de familles jusqu'au milieu du XIXe siècle, époque à laquelle les habitants se sont installés plus bas, dans la plaine, afin de bénéficier des commodités en eau et du réseau ferroviaire. Encore bien préservé jusqu'en 1920, il est totalement inhabité depuis 1930. L'association Renaissance du Chastelat s'attache à remettre en état une partie du vieux village, mais certaines parties de ce village continuent de s'effondrer, comme ici une voûte entre les ruines de deux anciennes maisons. Ces vestiges donnent aussi un charme très particulier, notamment au coucher du soleil qui illumine les pierres de tons légèrement rosés. Thank you.